L'éducation est un instrument fondamental de la société. Quel rôle devrait-elle jouer ? Éducation. L'éducation, tout le monde parle d'éducation. Tu ne crois pas ? Parce que normalement, on voit que les politiciens ils parlent d'éducation. Chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, le gouvernement dit « moi je vais faire ma propre loi d'éducation ». Les économiciens, les hommes d'affaires. Et surtout dans ce monde technologique, je vois qu'il y a beaucoup d'intérêts économiques sur l'éducation. Les nouvelles technologies, le numérique, c'est une bonne affaire pour les entreprises si ils pensent qu'ils doivent investir sur l'éducation. Tout le monde parle, les sociologues, tout le monde. Mais je me demande pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas aux profs. Nous, que nous sommes des profs, que nous travaillons toujours dans les classes, nous avons une expérience. Pourquoi ils ne nous écoutent pas? Qu'est-ce que tu crois? Vous écoutez? Oui, on nous écoute, du moins on essaie de se faire entendre, mais moi je crois que le rôle de l'éducation avant tout, c'est de pouvoir transmettre des connaissances, des savoirs, et c'est vrai que si on doit faire le lien avec la société, voilà pourquoi c'est si important de parler d'éducation comme tu le dis, c'est aussi parce que c'est un rôle primordial, ne serait-ce que dans la transmission et aussi dans la construction des savoir-être de la personne déjà, se construire en tant que personne, mais aussi pouvoir développer son esprit critique. Et je crois que ça, dans la société à venir, ça compte beaucoup, puisqu'on forme quand même des jeunes à devenir adultes, ça d'une part. Et après, moi je crois que c'est très important aussi dans la transmission du patrimoine linguistique et aussi culturel, le rôle que ça joue là-dessus. Lorsque nous parlons du système éducatif basque, de quoi parlons-nous ? Un système éducatif basque, alors en ce qui nous concerne, moi je dirais qu'il s'agit peut-être de plusieurs systèmes éducatifs, puisque notre communauté dans son ensemble est quand même organisée en trois structures administratives. La communauté autonome basque, la communauté d'agglomération Pays basque, et la communauté autonome de Navarre, et qui chacune a ses spécificités, parfois sa propre réalité éducative, voilà, et donc des exigences bien définies. Voilà, donc moi je mettrais plutôt le système au pluriel, le système éducatif au pluriel. Quand nous parlons du système éducatif basque, on parle du système de la communauté du Pays basque. C'est vrai que c'est un système qui est né il fait comme 40 ans et bon, qui a quelques originalités et surtout qui est arrivé pendant 40 ans, il est arrivé à avoir un système tout à fait bilingue. C'est vrai que c'est aussi la communauté qui investit le plus dans l'éducation. Ça marche bien et les enfants ils commencent à 200 à l'école avec 200 et ils arrivent à 18 ans et sont bilingues total de ce côté-là et avec des résultats dans toutes les preuves internationales assez bons. Mais vrai que c'est vrai que de ce côté-là c'est bien, mais maintenant il faut réfléchir un petit peu. Parce que le modèle D, que c'est le modèle tout en basque, c'est étendu partout. Tous les élèves, tu sais, qu'ils s'apprennent en basque. Mais il y a, à mon avis, une certaine inégalité. Parce qu'il y a, dans les dernières années, on a eu un mouvement qui c'était l'émigration, les immigrants qui sont venus au Pays basque. Et c'est vrai que ces jeunes qui sont droits depuis le premier jour à avoir une école, ils sont plutôt supporté par l'école publique. Et bon, là, que l'école publique, ça arrive un moment qu'il est en train de faire un grand, grand, grand effort pour assimiler tous ces élèves qui arrivent de l'extérieur, qui ne connaissaient pas la langue et qui sont en train de... Et un autre problème que je trouve, c'est les difficultés qu'il y a avec les élèves de 14, 15, 16 ans. On a parlé avant, tu te rappelles. Et chez nous, tous les élèves doivent être à l'école, faire l'enseignement général jusqu'à 16 ans. Avant 16 ans, on ne peut pas les séparer. Et ça pose des vrais problèmes.
je pense qu'il faudra en repenser un petit peu pour trouver un chemin intermédiaire entre l'enseignement général et la formation professionnelle. C'est vrai que la formation professionnelle au Pays Basque, il a un grand poids, hein, parce qu'on répond un peu à la demande de l'industrie, mais il faudra repenser ça aussi. Comment est-ce que vous faites ça, par exemple? Nous, quand même, de notre point de vue, là, je vais parler plutôt Pays Basque Nord, oui. Il est difficile de parler d'un système éducatif basque, puisque ça touche vraiment une petite minorité d'élèves encore, hein, malheureusement. Donc, si on devait parler d'un projet de système éducatif basque, moi, j'entends surtout le mot basque, et ça me fait... Et par ce mot-là, je me dis que c'est un système éducatif qui devrait avoir comme langue référente l'euskara, et comme langue principale d'enseignement, l'euskara aussi. Oui. Voilà, donc c'est comme ça que je l'imaginerais dans du long terme. Voilà, et bon. Ce qui ne correspond pas encore à la réalité d'Iparralde. Oui. C'est vrai que tout, on a de quoi rêver, bien sûr. Oui. Que voulons-nous dire exactement à travers le titre du projet, le système éducatif basque, travailler ensemble l'avenir? Donc construire un projet ensemble et construire l'avenir ensemble, je vois comme un projet collectif, de construction de ce système éducatif, qui peut paraître utopique, comme on a dit, comme on l'a déjà mentionné tout à l'heure, mais pourquoi? Parce que la réalité, c'est vrai, hein, au Pays Basque Nord, de la situation de la langue qui n'est pas reconnue, laisse une place difficile à l'enseignement de l'euskara dans le système éducatif français. Donc moi je crois qu'avant tout, dans ce travail collectif, je crois qu'il y a un premier travail à faire au niveau de la prise de conscience. La prise de conscience que joue le rôle du système éducatif déjà. Se dire que quelle doit être la langue d'enseignement, hein, la langue principale d'enseignement, sachant que quand même la langue basque a été classée parmi les 26 langues comme étant menacées, hein, par l'UNESCO. Donc il y a aussi cette prise de conscience, moi je crois, et après aussi un travail de connaissance mutuelle. On en parlait aussi tout à l'heure et je crois que c'est très important. Si on veut faire un travail collaboratif, il faut d'abord se connaître les réalités de chacun. Et aussi réussir à dépasser aussi nos différences, parce que finalement c'est pas un projet qui va répondre aux besoins de chacun. Je crois qu'il faut pas qu'on s'arrête là. Qu'est-ce que nous pourrons faire du point de vue de l'éducation pour faire tomber cette mur qui est installé dans les deux côtés de l'éducation, non? Parce que je pense que si on commence pas par donner des petits pas entre nos élèves les plus petits, qui peuvent avoir en commun une langue, que c'est notre propre langue, le basque. Si on ne commence pas à le faire connaître, la connaissance entre des élèves d'un côté, et, je te dis, les élèves d'Irun, ou les élèves d'Andaye, ou les élèves de deux côtés, je crois qu'on ne pourra pas faire rien. Si on attend que de grands mouvements de politique, on ne peut pas rien attendre, parce qu'on sait que le gouvernement de la France et de l'Espagne ne vont rien faire de ces côtés-là, non ? On va proposer que le français soit la seconde langue des élèves, et comme ça, finalement, ça sera un point de plus pour s'approcher, pour avoir des relations avec les élèves de l'autre côté, avec les profs de l'autre côté, et pouvoir commencer, si on se connaît, comme tu dis avant, on pourra commencer à travailler ensemble. Mais si on ne se connaît pas, on ne pourra rien faire, tu ne crois pas? Quel est le système éducatif dont l'euskalerri du 21e siècle a besoin? C'est très important, et la question des langues, par exemple. Si notre langue véhiculaire, c'est le basque, c'est notre langue, l'euskera, ça va être la langue véhiculaire, la langue importante. Mais nous ne pouvons pas oublier l'espagnol et le français. Et je me rappelle une fois, dans une foire des écrivains qui font à Sarre, je ne sais pas si tu connais, c'est les Lendipas qui font la foire des écrivains basques. Voilà. Et là-bas, il était Jean-Henri Chalard, à l'époque, c'était le président de Euskaltzaindia. Et lui, en parlant, il disait que pour être un bon basque, il faut savoir s'exprimer en français, en espagnol, et savoir penser en basque.
Et j'ai beaucoup réfléchi sur cette question parce que c'est vrai que la langue approche. Et maintenant, il faut être réel, il faut se rendre compte que notre système éducatif, il est basé sur la langue basque, mais en y parler encore, ce n'est pas ça. C'est vraiment pas évident, hein, y parler, voilà. C'est pas quelque chose voilà. qui coule de source. Oui. Et moi je crois qu'avant tout, si on a besoin, hein, de quel système éducatif aurait besoin jusqu'à l'ère du 21e siècle, c'est justement d'un système éducatif, à mon avis, parce qu'il n'existe voilà. pas encore. Et je crois que la priorité ou le premier objectif serait d'arriver à une cohérence, ou du moins une cohésion, entre les différents systèmes éducatifs, les différentes réalités éducatives qui existent déjà. Et moi, j'imagine qu'un élève qui démarre un cursus scolaire à Bayonne, eh bien, il puisse le continuer à Iruña et qu'il puisse enfin le terminer à Bilbao. Moi, je pense que c'est ça qui donne... Alors du coup, on parle d'un système, mais moi, je ne vois pas comme un système unique et le même pour tous. Mais par contre, oui, comme un système pour tous, qui s'adresse à tous, ouvert et accessible. Voilà, accessible et qui évidemment, véhicule, comme tu disais, notre langue principale, qui est l'euskara, et qui soit en même temps ouvert à d'autres cultures, parce que tu parlais aussi d'immigration, mais voilà, il y aura des élèves qui auront d'autres langues, et je crois qu'il faudra garder cette idée d'ouverture et de diversité aussi culturelle. Et quand on parle du 21e siècle, c'est ça aussi, c'est-à-dire s'adapter voilà. au changement, s'adapter voilà. à la complexité, oui. et de pouvoir aussi à travers des pratiques innovantes. Oui. Moi, je crois qu'il faut aussi qu'on soit. Parce que finalement, le système éducatif, du point de vue des programmes, ce n'est pas le problème. Non, on peut étudier mathématiques ici et là sans problème. Mais du point de vue de la culture, de la connaissance, ça pour moi c'est le plus important. Parce que si tu ne connais pas le voisin qui a la même langue que toi, si tu ne connais pas, si tu n'as pas aucune relation, si tu vis contre l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté, tu ne pourras pas rien faire. Tu ne pourras pas tu peux mettre les meilleurs systèmes éducatifs, mais si tu ne donnes pas les premiers pas pour avoir des relations entre les élèves et les professeurs d'un côté et de l'autre, tu ne pourras pas rien faire. Quel est le cadre dont nous avons besoin pour générer et maintenir le soutien et l'aspiration de vision à long terme qu'il nous faut construire ? Et je crois que les cadres pour entamer à bon terme ces projets sont les collectivités locales. D'un côté, ce sont les collectivités locales, ce sont l'agglomération du Pourvou, pour nous, ce sont même des fois les mairies, tout ça, ou les députations qui peuvent aider à préparer des projets de relations d'un côté et de l'autre. Mais un peu, dans ce niveau un peu plus haut, peut-être, ce sont les universités. Par exemple, nous avons ici l'école Université de Mondragon qui travaille dans un projet de faire une école transfrontalière, une école trilingue à Saint-Sébastien. Et c'est vrai que Euskoikaskuntza aussi nous donne cette opportunité, ce cadre-là, et je crois que c'est ce qui rend aussi, qui donne à ce projet toute sa légitimité, d'une part. Et après, je crois que dans cet espace qui nous est offert, c'est un espace déjà de rencontre, puisque ça nous permet de nous connaître, mais aussi de consensus finalement, parce qu'on se retrouve plusieurs personnes avec des visions et des façons de voir très différentes. Et je pense que par cette rencontre et cette collaboration, on peut vraiment établir une stratégie commune, et en associant évidemment, comme tu parlais d'université, des experts, des gens expérimentés en tout domaine, parce que je crois qu'on a tout intérêt à associer divers domaines, pas seulement celui de l'éducation, de l'économie, la sociologie, la linguistique, ça. Et je pense que tous ensemble, donc avec même les citoyens, les parents, les partis politiques, je crois qu'on a beaucoup à faire ensemble, mais comme tu disais, étape par étape, pas à pas.
Mais moi, je crois que ça y est, je crois qu'on est lancé. Et moi, j'y mets beaucoup j'y crois beaucoup. Et c'est très motivant, voilà. Et ça remplit d'espoir. Moi, je crois que c'est une expérience super. Parce que mille fois, on parle et on s'est rendu compte qu'on avait des cultures communes, on avait une langue commune, mais on ne se connaissait pas. Et c'est vrai que c'est une expérience qui nous a permis, que c'est très, très, très intéressant. Et en plus, il faut donner des premiers pas. Il faut parler, il faut se connaître, il faut reparler, il faut réfléchir, il faut faire des choses, donner des petits pas et dans la même société civile qui fait construire, qui peut construire quelque chose et pour partir du local pour arriver un peu plus haut. Et je crois que... Oui, tout à fait, pour te rejoindre, je pense que c'est vraiment construire une culture commune dans le sens de réflexion. Et je crois que vraiment c'est très enrichissant d'une part. Parler et se connaître, parler, se connaître et parler, je crois que ce sont les deux clés les plus importantes pour commencer à travailler. Parce que si on ne se connaît pas et on ne se parle pas, on sait que vous êtes là-bas, qu'il y a des enseignants qui font là-bas quelque chose, on sait qu'en y parlant, ils font, et vous savez que nous faisons ici quelque chose. Mais on n'a pas des endroits où on peut se réunir, et on peut réfléchir. On peut parler et on peut discuter sur les différentes expériences. Et se connaître, se comprendre et après se rendre compte qu'on est un peuple, qu'on a droit à avoir notre propre système éducatif. D'accord.